Bonjour les amis. Bienvenue dans le monde des poupées. Que fait-on aujourd'hui, Brooklyn? Tout ce que tu veux, Malibu. Et si on leur faisait visiter notre maison? Le long des grands boulevards où vivent les fashionistas. Papoula, papoula. L'univers des rivilles vaut le détour, croyez-moi. Papoula, papoula. Laissez-nous vous montrer l'endroit. Est ultra fantastique. Et ça prend trop de vie. Il n'y paraît. Barbie, et j'ai adoré la chorégraphie. Merci. Merci beaucoup. Oh, mais vous savez ce qui rendrait tout ça encore plus super? Oui. Un tour de présentation. Je suis Brooklyn. Et moi, Malibu. Chelsea. Tessie. Et moi, c'est Skipper. Je suis Barbie Licorne. Barbie Saphir Bleu. On est les fashionistas. Barbie Cutie Reveal. Enchantée. Nous sommes les Barbie Pop Reveal. Je suis Barbie Pop Star Lala. Je suis Barbie Patineuse. Bonjour. Bienvenue dans le monde de Barbie. On est plutôt nombreuses, je sais. Et on est bien des Barbie, toutes les deux. Au cas où vous l'auriez oublié. On peut faire absolument tout ce qu'on veut dans le monde de Barbie. En plus de fléchir nos pieds. Et on sait toujours faire le grand écart. Tant que nous travaillons dur pour maintenir un certain niveau, on peut se récompenser en passant du bon temps dans le monde de Barbie. Et on peut s'amuser avec nos amis, notre famille et nos animaux de compagnie. Le tout avec style. Parce que la mode est dans notre ADN. Tu l'as dit. Alors, par où commence-t-on? Malibu, Brooklyn! Il y a du fun, de la famille, des amis et de la mode dans la maison de rêve. Et beaucoup de style, évidemment. On ne s'ennuie jamais dans le monde des poupées. Bonjour les amis. Ça vous dit de visiter la maison de rêve? Suivez le guide. Si vous pensez connaître la maison de rêve, vous vous trompez. Elle a été transformée. Oui. Et elle est trop belle. Ici, c'est le salon. C'est ici qu'on vit. Voici la cuisine dans laquelle nous cuisinons. Tada! L'ascenseur nous emmène vers... la nouvelle chambre à coucher. Je l'adore, cette chambre. Tada! Et si on va plus haut? Wow. Wow. On arrive sur la terrasse où la vue est imprenable. C'est magnifique. Incroyable, j'adore. C'est super haut. En effet, mais le toboggan nous permet d'accéder aux étages inférieurs. Et d'atterrir dans la piscine. Oh, c'est vrai. Bonjour, chère voisine. Bonjour. Bonjour. Vous faites le tour de la maison? Venez visiter la maison des fashionistas. Oh, mais quelle bonne idée. Oui. Allons-y. Oui. Je n'arrive pas à croire qu'on soit voisine et que vous n'ayez jamais vu notre maison. J'adore votre décoration, c'est moderne et hyper sympa. C'est vraiment canon. C'est incroyable. Sublime. C'est un vrai compliment venant de ta part, Brooklyn. J'adore ton style. Oh, et ce sac à main rose que tu portais hier. Merci, tu peux me l'emprunter quand tu veux. Quand je veux? Est-ce que ça t'irait maintenant? Oui, si vous voulez bien qu'on transforme cette double visite en une triple visite. Oui. Oh oui. Top. Maintenant, vous pouvez tout explorer le dressing de rêve. Oui. Oui. Wow. Wow, c'est incroyable. Youhou. Oui, oui. Wow. Tout juste sorti de la boîte. Il est super, cet hologramme. J'adore cette tenue. Oh, oh, oh oui. Cette
tellement élégant. Ouh, la classe. Sympa, les patins à roulettes. Oh, c'est un autocollant. Sympa, l'autocollant des patins à roulettes. Oh, les filles, j'hallucine. Ce dressing de rêve est littéralement un rêve éveillé. Il y a des possibilités à l'infini. Je me demande si... Oh, oui. Waouh, tu es fabuleuse comme ça. Merci, Brooklyn. Oh, j'adore ce relooking. Merci beaucoup. Pour moi, c'est impossible d'entrer dans le dressing de rêve sans changer de style. Hé, si vous n'avez rien de prévu aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait continuer la visite, hein? Oh, je lis dans tes pensées. Montrons-leur l'espace du monde des poupées. Oh! Je rêve de le visiter depuis toujours. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oui, oui, allons-y. Et maintenant, nous vous présentons l'espace des poupées. Voici une collection de toutes les poupées Barbie qui nous ont précédées dans le monde des poupées. Du tout premier look de Barbie à nos jours. Aha. D'accord. Mais chaque poupée de chaque décennie a un point commun. Nous sommes toutes... iconiques. Mes amis sont dans l'espace des poupées. Alors je vais procéder à l'appel. On a une pilote, la première. Une Peaches and Cream, ensuite une Twist and Turn et encore tellement d'autres. La première poupée est présidente, la voici. Et n'oublions pas notre interne en chirurgie. Qui sait où se trouve la paléontologue et une star du rock, glamour unique en son genre. Tout le monde a bien compris, toutes leurs tenues sont supersoniques. Le terme exact est iconique. Ah, des talons roses qui brillent, costume, cravate pour filles. Tout ce que l'on aime, ici tu peux être tout ce que tu veux, non? Oui. On est si fiers et on adore. Regarde, c'est l'histoire de la mode. C'est iconique, oui on aime ça. Suffit. Iconique, unique en son genre. Iconique, mais quelle ambiance. Iconique. Allez les poupées. Quoi de neuf? C'est l'heure du spectacle. Oui. Oh, regardez Barbie paléontologue des années 90. Youhou, une poupée calée en science. Les Barbie assurent tout. Trop cool. Barbie pilote des années 80. Elle virevolte dans le ciel. Barbie interne en chirurgie des années 70. Elle est épatante. On peut dire que c'est la chef des opérations. Et enfin, cette poupée des années 60 est vraiment spéciale. Elle a littéralement posé le pied sur la lune avant que l'homme ne le fasse. Wow, vous êtes parés au décollage? Oui. Nous vous présentons Barbie astronaute. Oh non. Oh non. Oh. Malibu, on a un problème. Le costume d'astronaute, il a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce costume est un vrai morceau d'histoire. Qu'est-ce que le monde des poupées va devenir, celui? Peut-être qu'on devrait élargir nos horizons. Exactement. Que personne ne s'inquiète. Le monde de Barbie inspire les poupées depuis 65 ans. Un costume qui disparaît ne changera rien à ça. Exactement, Brooklyn. Et je suis sûre qu'on va le retrouver. Cherchons-le. Excellente idée. Oui. Alors allons-y. C'est parti. Ce qu'on doit faire, c'est... élargir nos horizons. Oui. Sachez que je suis complètement déterminée à retrouver le costume d'astronaute. Oui. Cela étant dit, je dois filer. Hein? Quoi? Pourquoi? Je suis attendue pour faire mes trois vœux. Oui. C'est vrai.
J'ai rendez-vous sur l'île Fantaisie, l'île où les rêves deviennent réalité. Peut-être que je trouverai un indice pour retrouver notre costume. On va entamer les recherches. Toi, fais bon usage de tes 3 vœux avec Barbie Saphir Bleu. Merci, Brooklyn. J'ai tellement hâte d'y être. Tu as rejoint l'île Fantaisie. Tu as officiellement 3 vœux à réaliser. Le costume de Barbie astronaute a disparu. C'est fou quand même, non? La voiture de Barbie pilote de course a disparu. Oh, tu es tellement loin de nous. Je t'entends très mal. Oh, je voudrais bien accélérer. Voilà qui est beaucoup mieux. Oh, oh. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Malibu, formule un autre vœu. Attendez, pourquoi est-ce que je me mets à parler si lentement? Mais c'est bien sûr. Je voudrais être... Oh! Je crois que c'est ce qui s'appelle gaspiller des vœux. Waouh! Mon nouveau salon! C'est trop cool! Nous sommes officiellement ouverts! Oui! Félicitations, Brooklyn! Je suis officiellement débordée. Waouh, quelle sublime inauguration, Brooklyn. Les clientes se bousculent et sont tellement heureuses. J'ai beaucoup trop de clientes, tu veux dire? Pourquoi tu dis ça? Quoi donc? Non, j'ai rien dit. J'ai un tas de merveilleuses clientes. Oh non! J'ai été tellement prise que j'ai oublié que je devais arbitrer le concours de patinage sur glace du monde des poupées. Et Malibu va arriver pour se faire couper les cheveux. On peut faire quelque chose pour t'aider? Tout est sous contrôle. Bon, vous acceptez de m'aider? Oui, oui, évidemment. Avec plaisir. Brooklyn, bravo, tu m'impressionnes. Ton salon est juste exceptionnel. Oh, merci, ma chérie. Tu es visiblement au cœur de l'action. Tu ne crois pas si bien dire. Je suis tellement dans l'action que je pense qu'on devrait te couper les cheveux par téléphone. Par téléphone? Oh oui, ça y est, maintenant je comprends pourquoi t'as marqué une pause et regardé ton téléphone comme ça. D'accord, si tu penses que ça peut marcher, j'en suis sûre, ça va être super. Désolée, je dois filer. La patinoire m'appelle, encore merci, on se parle après. À plus tard. Allez, au boulot, mes poupées. Hein? Allô? Stacy, le concours de patinage est génial. T'es déjà sur place? Il n'y a pas d'embouteillage dans le monde des poupées, à moins que quelqu'un ne laisse traîner ses Hot Wheels par terre. Hein? Enfin bref, pour la coupe de Malibu, on commence par couper les pointes. C'est fait. Wouhou! Zigzag. Et triple boucle piquée. Et on s'arrête net. Je ne t'ai donné que la toute première instruction. Ensuite, t'as dit zigzag, triple boucle et de finir en coupant net. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh!
Je suis tellement désolée, Malibu. J'ai voulu en faire trop aujourd'hui. Mais maintenant, je me concentre sur toi. Je comprends très bien. Et tu crois que tu vas pouvoir arranger ça? Bien sûr que je vais arranger ça. Alors... Oui, c'est ça. Et voilà. Je l'adore. Merci, Brooklyn. Et avec une nouvelle robe en prime. Wow. Une journée relaxe. Les filles, la combinaison d'astronautes reste introuvable. Elle peut être n'importe où dans le monde des poupées. Donc, on ne sait même pas par où commencer les recherches. Oui, c'est vrai, Chelsea. Mais tu sais ce qui est tout aussi vrai? Que cette carotte est délicieuse. Je suis sûre qu'elle l'est. Mais j'allais dire que nous sommes toutes intelligentes et pleines de ressources. Hein? Oh. Message à toutes les poupées. Oh. Oui. Le grand échange de chaussures est sur le point de commencer. Oui. Oui. Venez toutes. Venez toutes nous rejoindre au centre-ville. Écoutez, ça peut vous être utile. Essayez de sortir de votre zone de confort. Chaussures à vos pieds, alors continuez. Déambuler et tournoyer. Ce soir on sort, on plante le décor. Pensez les choses sous un jour différent et déterminant. Alors qu'est-ce qu'on attend? Répète après moi. 1, 2, 3. Et confiance, crois en toi. Change de point de vue. Change de point de vue. Voyons un peu cet échange de chaussures. Oh, oh non! Oh non! Nom d'une poupée! Qu'est-ce qui s'est passé? Droite ou gauche, mon cœur balance. Toutes nos chaussures sont dépareillées. Normalement, on échange les paires de chaussures, pas la chaussure gauche ou la chaussure droite. C'est plutôt original de porter deux chaussures différentes en même temps. Oui, porter des bottines me donne de la force. Et ces baskets montantes me font sentir confiante. Ces chaussures de course me donnent la pêche. Oui. On a vraiment l'impression de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre. C'est un vrai changement de perspective qui nous permettra sans doute d'élargir nos horizons et de sortir des sentiers battus pour enfin trouver le costume d'astronaute. Je pense que tu as raison, Brooklyn. Waouh. C'est ça le bon état d'esprit, Malibu et Brooklyn. Mais en attendant, réglons cette histoire de chaussures dépareillées. J'ai ma petite idée. Bienvenue au cloche-pied shop du monde des poupées. Ah, et sa collection de chaussures dépareillées à l'unité. Mais où sont passées les paires originelles? Probablement dans le vide sidéral. Prête à changer encore de perspective? Mm-hmm. Oui.